Donc, Fab contre Siata, Mario contre Chrome. J'ai pas eu le stage qu'ils ont pris. Ah bah voilà. Sur Pokémon Stadium 2, donc un excellent stage pour Mario. Chrome doit aussi en... Bon avantage. L'ouverture qui a été trouvée directement par Fab. Siata était très très agressif ici, mais parce qu'il... qui se montre lui aussi très offensif. J'ai été défensivement efficace. Mais Fab qui va vraiment le chercher très loin. Yazak a trouvé une ouverture qui va en profiter au maximum, une grosse passe. Oh la tape, un grab sur la tête chaise. Tentative de spike raté bien sûr. Ça a très bien réagi avec un upper en tête. Oula. Non, bon. Fabien s'est un peu énervé offstage, la moyenne est mort. Après, une fois qu'il est offstage, globalement Mario. Entre 3 mais il fait un fuzz et c'est un peu la fin. Ouh le shit de Yata. C'était pas ça, le shit de Yata. C'était pas loin du shit, c'était pas en fait tout là. Fabien t'as beaucoup de difficultés à revenir, Yata qui garde l'edge hein. Fabien t'as réussi à échapper au fuzz, un truc comme ça. Petit retard de la part de Fabien sur ce match. Mais Trom peut remonter tout rapidement, après le problème c'est que Mario c'est très très vite. Voilà bon. Très bonne réaction de la part de Yata qui fait le beat pour éviter de mourir sur le suicide de Fabien qui avait fait un fer à l'edge. Excellent tri de la part de Yata, il a dash pour punir le side de Fabien. Et il a fait croire à un grab, Fabien a eu peur, il a spot dodge et il a chargé le smash et il a tué. Oula, grosse phase, je pensais que ça allait une phase de joueur de la part de Yata. Fabien qui continue à approcher aérien et Yata qui a compris cette façon. Et il l'empêche littéralement de venir avec des verres, il a commencé un peu à la dor. La tête chaise. Donc Yata voulait lire à tout prix une rôle de la part de Fabien. Je sais pas si le front tue vraiment en fait Chrome. Ça fait deux fois qu'il passe à travers. Il y a peut-être des frames particulières, on va voir. Bon le maire. Et Fabien. Quoi? Ouais, il faut voir que le c'est pas si efficace. Fabien qui se défend quand même, mais après, normalement s'il arrive à prendre la stun, il peut revenir très très vite, hein, c'est propre. Et il était trop gourmand. Yata qui avait conservé son deuxième saut. Moi ça me dérange pas. Ah, les deux winners. Là on est en winners. Là, vu que c'est même pas 23h15. On passe à BO5 alors ? BO3 ? Ok, donc pas de changement. Ok. Donc pas de changement. Il y a eu, comme on est en avance, on allait plus faire en BO5, mais finalement ce sera juste les finales, je pense, qui seront en BO5. Donc la winner, la loser et la grande finale. Bah, c'est intéressant, on est enfin à l'heure. Après, on avait pas mal de DQ un peu partout, donc c'est tout ça. Ah faut faire le truc. Voilà. Et hop, avec Fabien, et donc on peut tout enlever. C'est parti. Donc c'est parti, ben à nouveau. Fabien qui reste sur Chrome finalement. Oublie pas d'arrêter l'enregistrement à la fin. Ok, pas de problème. Mais moi, je l'oublie pas, hein, je te signale, j'ai tout le temps fait. Bref. Donc, flat directement, je sais pas si c'est menace de la part de Yata. Je croyais qu'il allait directement partir sur un suicide. Ok, donc cette fois-ci sur Battlefield, donc les plateformes devraient jouer en faveur des deux personnages. Je vois pas vraiment lequel pourrait avoir tout ça en fait. Fabien qui a vraiment forcé sur le drive, je sais pas s'il va rater un coup. S'il entendait vraiment une rôle de Yata. Toujours très agressif, hein, une pression aérienne de folie. Et face d'Edge Guard, Yata qui est assez patient, très prudent, qui va vers le bas, et qui se il va pas aussi loin. Forcément, il le sait, il revient tout doucement.
Tad qui a passé à travers le neutral de From pour finir en fin. Fabien qui essaie de remonter le plus haut possible pour éviter de mourir et bien, ça remonte haut. Et From qui réussit. Et dash backer sur le shield, Yaza a relâché au mauvais moment et il en est mort. Oh oh bah voilà. Et notre fun. Très rapide de la part de Fabien qui ultra agressif. C'est incroyable. Le landing de peur c'est très beau. Fabien qui... Non, pas... ok. Je crois qu'il allait le refaire. Donc le fair offstage, c'est violent. Fair allège. Fabien, on sait tous qui part directement sur ça. C'est l'option qu'il peut faire. Je crois que c'est pour ça qu'il joue le perso. Donc dès qu'il va pouvoir, il va directement y aller. C'est effrayant. Yata, t'as été très prudent sur cette cap. Hein. Pas très beau. Mais... En même temps, il avait peut-être peur du ennemi. Forcément, comme il est en désavantage. Donc, pas prendre de risque. Et le spike de la part de Fabien. Pour punir l'edgeguard de Yata. Ouah. Rapide, efficace, un chrome agressif, hein, bien sûr. C'était punitif. Ah oh, mon dieu. Ça, c'est du Fabien quand même. Ça, c'est. Ouah. Non, mais c'était. C'était trop drôle. Ça volait de partout, ça lâchait, ça faisait des fers. Non, mais vraiment. Fabien avec son grand, il y a un neutral très particulier mais super agressif, il te met une pression de fou. On l'a vu sur le shield, Yata qui a monté ses parchemins plusieurs fois, il était passant dessus. Mais dès qu'il l'enlevait, hop, ça partait sur le derrière et c'était fini. Très bonne exécution, hein, très rapide ce Fabien. Et donc 1-1. Pour les deux. Ouh, ça a fait en finir vite là, je pense que c'est le pouvoir flash passé. Sans saut, c'était un peu la fin pour notre ami Tromiste. Petit tombeau ladder. Ah, pas de paire à la fin, il préférait le backer pour envoyer plus loin. Peut-être plus safe, je sais pas si c'est l'un ou l'autre, je ne sais pas. Fabien, tu tentes de trouver une ouverture, il l'a trouvé et bonne tech de la part de Yata. Mauvais stretch de la part de Fabien, il l'a bien ride mais il aurait pu la mettre de l'autre côté. Un bon mix-up. Et Yata qui va partir et joueur Fabien, non, tu restes à distance avec les projectiles et la menace du flood, bien sûr. Pression facile. D'accord, très bien. Punition du nerf, t'as été whiff par Fabien. Mais t'as été immédiatement puni par un up smash de la part de Yata. Ouh, Fabien qui met des pressions de bon frame frame. Mais ce shit, mais le shit, il résiste, hein, mais tellement cher. Yata peut pas trop tomber sur cette punition. Ok. Oh, bien joué. Bon, le shit, tu prends très cher, mais le problème, c'est que Yata utilise son shit au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne spamme pas vraiment et tout, ça lui permet de résister en fait au coup de Chrome. Il peut se prendre un gros coup et attendre pas mal de temps en neutral, mettre la pression à son coup. Puis après, pouvoir tenter un autre gros coup de Chrome sans prendre un shield break. Car si Fabien est beaucoup trop agressif sur le shield, forcément au bout d'un moment, il risque de perdre. Yata qui réussit à remonter grâce au stage, bien sûr, le wall jump et tout. Forward tilt, dash forward tilt. Très bien, une autre. Mais déjà, ça peut encore tenter Fabien. Non, je comprends pas, on peut pas l'avoir avec le flood en fait, je pense. Et voilà, Yata qui attendait à l'edge, qui fait un up smash à la remontée. J'ai cru qu'il allait faire un double fair up D, que ça allait être la stock. C'est très menaçant parce que la Chrome à tout moment il peut. Surtout le Chrome de Fabien en particulier. À tout moment il peut enlever la stock, il s'en fout par le stock, hein, c'est violent. Surtout que là il y a 130% contre à peine 20, hein, c'est super bon pour lui. Hein. Et bien joué de la part de Yata qui a immédiatement. Je sais pas si t'es fait du flood. T'es immédiatement puni avec un up smash avant que Fabien lande. La continuité de la combo, c'était. Ah, petite pression sur le groupe de feu, très patient à l'edge. Il veut pas rebondir comme. Après, Fabien ne peut plus faire son suicide. C'est déjà un gros avantage, une pression en moins. À laquelle il y a tape. Fabien, il aime bien cette ride sur la plateforme hein, avec le drame, aller directement au bout. Les gens, on roll souvent, faut le dire aussi, une fois qu'on est ton tête sur la plateforme. Yata, tu ne laisses pas du tout Fabien descendre, hein, depuis tout à l'heure, à chaque fois, si l'adore combo perd et ça continue. Il a fait une sorte de vortex, à chaque fois, il a bien ride l'option de Fabien et ça continue en combo. Tu l'as appuyé tout ça fait Fabien là, mais ça peut tuer comme ça. Oh, Yata a été très réactif, hein. Il sait que Fabien est hyper agressif. Donc forcément, un fer en revenant et ça se passe. Très bien joué, c'était des beaux matchs, très dynamiques. Hein.